Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Attends, parce que j'ai du mal à comprendre la situation. Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ok, les gars, là, on a vraiment un énorme problème. Vous savez ce qui vient de se passer? Non, dites-nous tout. Suite à l'action de ce soir, la police a attaqué Cayo Perico. C'est qui, ça? C'est l'île où il y a Diego. Ils ont attaqué Cayo Perico parce que vous savez qu'il me lie à Diego. Ils pensent qu'on est ensemble. Oui, mais c'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure. Ils pensent oui. Que tu... Oui. Sauf que du coup, ils viennent attaquer Cayo Perico en pensant que j'y étais. Et ils viennent de buter deux hommes à Diego, donc Diego est vraiment très énervé. D'accord, très bonne nouvelle, ça. Mais je t'explique pourquoi c'est une bonne nouvelle. Parce que là, c'est le point névralgique de la situation où tu peux coopérer avec la police pour... Ah mais non, justement, c'est d'accord. Le point névralgique où je peux me lier, peu importe, mais non, je coopérerai pas avec la police. Fille, okay. Quoi? Oui. Sache qu'il y avait à peu près une dizaine de voitures devant l'hôpital et trois hommes blessés par balle très très grièvement. Ouais, bah c'est pas étonnant. Par contre, juste pour une question, c'est qui c'est de monsieur... Je te présente mon tonton qui est avocat et son ami. D'accord, et le monsieur derrière là? C'est le tonton derrière. D'accord, tonton. Et le monsieur devant? Mais c'est l'autre. Ok, d'accord. T'es un quart de tonton genre. Bah, surtout ne vous inquiétez pas, tout ça est confidentiel. Nous avons le serment de confidentialité de notre rôle d'auxiliaire de justice qui, tout ce qui est dit ici, ne peut être répété. D'accord. Il n'y a pas l'un de vous qui a fini dans un coffre d'un taxi il n'y a pas très longtemps? Oui, bah dites donc, bah oui, c'était Sterling. Très bien. Non, t'inquiète, je m'informe au cas où... Bien sûr. Au cas où. Vous sortez votre téléphone dans un endroit incontenu. Oh, vous inquiétez pas, si je suis là, c'est qu'on a confiance en moi, monsieur. Bien sûr. Bon, code rouge écarlate, c'est pas bon, ça. Oui. Oui, mais pour ça, il faut que tu penses à fermer un peu ta gueule, tu vois. J'ai vu le... Effi, j'ai vu le SWAT, mais pas l'armée, donc là, je pense que ça arrive. Tu vas rester gentiment ici, je pense, ce soir. Il y a l'armée qui a été déployée sur Los Santos. Est-ce que je peux te parler, Sterling Cooper? Ah bah tiens, j'ai trouvé une... Pourquoi t'as donné mon nom à l'autre, là? Je te rappelle que le mec qui nous a fait livrer taxi, il s'est fait virer à cause de nous. Oui, non. Et toi, tu lui as donné mon nom. Oui, mais on connaît la loi. Non, on connaît pas la loi. Mais si, on connaît la loi. On la connaît plus. Non, mais oui, mais tu risques rien, d'accord? Oui, mais moi j'ai peur. Mais je vais te dire pourquoi tu risquerais quelque chose. Je ne sais pas. Imagine on ne tue pas un client qui a fini dans un. Cette ville est totalement dingue, Cooper. Ou que tu l'aurais pas remarqué, on tue les gens pour rien. Je remarque. Bon, écoute, est-ce que tu veux que j'aille parler à ce jeune homme pour arranger cette histoire? Oui, s'il te plaît. Bon, c'était. Allez, j'arrive. Voilà. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous parler deux minutes, voilà. L'homme à la chemise? Bien sûr, allez tous les deux, let's go. Merde. Écoutez, j'aimerais vous poser une question très importante. Dites-moi. Et que cela reste entre nous. Vous êtes bien l'oncle Défi, hein? Oui, c'est bien moi, c'est bien par moi. Par contre, si vous voulez qu'on parle, dites à votre collègue et je vais dire à mon collègue de sortir de la pièce. Vous pouvez partir, Sterling, s'il vous plaît? Ah ben non, mais c'est... on est concerné par la discussion. Sors, Mysterio, s'il te plaît. Non, Mysterio doit sortir. Il faut sortir, Sterling. Vas-y, viens, Sterling. Non, mais c'est une conversation qui m'intéresse. Non, Sterling, viens. Sortir, s'il te plaît. On va taper un FIFA, viens, c'est pas grave. Un FIFA? Oh, mais je connais bien ce... Dites-moi, monsieur. Oui, c'est une petite question. Vous m'avez posé une question tout à l'heure et je vous cache pas que monsieur Sterling m'a posé... Il a peur. Écoutez, monsieur, vous tenez beaucoup à Effi, je pense. Oui. D'accord, monsieur. Alors toute tête qui passe devant moi quand j'ai pas ce masque, je le reconnais. Oui. Je les oublie pas. Oui. Et je m'en rappelle. Oui. C'est juste ça. Votre collègue n'a rien de... Il n'y aura pas de problème. Si vous voulez, faites-le venir, je vais lui dire devant lui, il n'y a pas de souci. Ah oui, non, d'accord, ok. Non, mais c'était juste pour savoir. Ça n'a rien à voir. D'accord. C'était pour me confirmer, moi, personnellement. Vous étiez le chauffeur, non, c'est ça? Peut-être. D'accord, écoutez, je ne vous pose pas plus de questions, c'était juste il avait peur. Après, si Effi a confiance en vous, vous verrez peut-être mon visage dans les prochains jours. Oh, écoutez, je suis son oncle, hein, voyons, je veux que son bien. Écoutez, on m'a dit de mettre un masque avant de... Je comprends parfaitement, monsieur, voilà. Il n'y a pas de souci. Mais vous êtes avocat, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord, bah écoutez, c'est très très bien plus. Très bah, bien, oui. Bah, on a besoin, dis donc. C'est plus un avocat qu'elle a besoin, c'est... On est deux, on est venu à deux. Faudrait rajouter deux zéros derrière, je pense, avec tout ce qu'elle a fait. On en rajoutera deux.
on prendra le nombre d'avocats qu'il faut. D'accord, d'accord. Écoutez, c'est, moi, je c'est ma nièce, je tiens à elle, donc vous inquiétez pas. Il y a pas de souci. Moi, je vous dis clairement, c'est une personne qui m'a sauvé de la fédérale il y a quelques temps déjà, et je lui dois de grands services. Donc, je suis là pour elle, et si elle a besoin. Mais monsieur, là, je me permets en dehors de toute conversation, vu que nous sommes que vous et moi. Si vous voulez son bien, vous pensez pas que son histoire de révolution, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux? Écoutez, monsieur, elle, avant de faire ce qu'elle a fait, elle était dans une belle famille, je pense, non? Oui, et de toute elle évidence, elle s'est fait manipuler par la police. Oui, mais ça c'est pas... Ça, après, c'est le problème, c'est son parcours qui a fait que maintenant, elle est comme ça. Oui. Sachez que moi, je suis un simple habitant de cette ville, et quand je vous dis que le gouvernement et la LSPJ est un tas de merde, c'est un tas de merde, monsieur. Sachez-le. Regardez, juste avant de revenir ici, j'ai amené mon ami à l'hôpital. J'ai demandé à un policier gentiment, est-ce qu'il y a un EMS? Il m'a dit, il y a écrit quoi sur mon truc? Il y a écrit policier, il y a écrit LSPJ ou EMS? C'est pour vous montrer à quel point la ville est un bordel. Ils s'en foutent de nous. Les riches, peut-être qu'ils s'en foutent pas, mais en tout cas, les gens comme mais moi... Mais pensez-vous qu'une fois mort, vous pourrez révolutionner quelque chose, monsieur? Écoutez, monsieur, il n'y a pas de perte sans victoire. Mm-hmm. Et vous pensez changer la ville, donc? En tout cas, c'est ce que ma nièce veut, c'est ça? Moi, personnellement, tout seul, je n'aurais jamais eu le cran. Mais sachez que votre nièce donne beaucoup d'espoir aux gens. Très bien. Tout cas, les gens qui l'entourent. Bon, écoutez, retournons avec les autres. Merci pour cette conversation. Je n'irai pas avec la police. Non, Sterling, il va falloir que tu laisses Effie décider d'elle-même. Oui, non, mais elle va décider d'elle-même. Mais ce que je veux comprendre maintenant, c'est sur la situation là. Ce Diego, on peut lui parler ou... Non, là, il vient d'enterrer deux personnes et il voudra pas vous parler. Vraiment. Oh, bah, c'est rapide, dites donc. Non, mais il est en train d'enterrer deux personnes et ça va être rapide. Là, je vous le dis dehors, ça va être la guerre, hein, mais vraiment. Très bien. On connaît la loi, c'est notre arme. Par contre, du coup, maintenant, quel est ton plan, Effie, pour te sortir de tout ça? C'est ce que je veux savoir. Là, on s'inquiète. Quel est ton plan, Effie, pour sortir de tout ça? Mon plan, c'est de choper Diego, de discuter avec lui et de m'allier avec lui. Et s'il refuse... Dis donc, on a parlé une heure pour rien, alors. Et quelle est la stratégie? Là, c'est soit j'essaie d'allier des gangs à ma cause et c'est moi contre Diego, mais je vais perdre. Soit j'essaie de mettre Diego dans ma poche, le temps que ça se tempère et qu'il crève et je reprends les rênes. Dis-moi quelque chose, Effie. Quoi? T'as oublié l'interview? Et alors? C'était quoi l'interview? La fameuse interview dont je vous parlais. Ah oui, on l'a vu. Oublie pas que t'as parlé de lui. Je sais pas si ça te laisse de te voir. Alors, on peut servir d'intermédiaire si on parle à ce monsieur, peut-être. En fait, vous comprenez pas que là on parle d'un chef de cartel mexicain qui est en train de crever, qui est en pleine guerre. Vous pensez vraiment qu'il va prendre du temps pour parler avec lui? N'écoute pas ce que Sterling dit, il a bu une bière de trop. T'as dit la même chose il y a deux minutes. Là, je n'ai rien dit. Non, mais il y a deux minutes, c'est exactement ce que t'as dit, donc fais pas oui, le mal. Oui, mais il faut écouter, s'il te plaît. Effie, je peux te parler? Ouais, j'arrive. De toute évidence, on ne peut rien faire pour. Mais oui, on peut rien faire là. Non, mais voilà ce qui va se passer, c'est que le Diego il va mourir. Oui, attends, un petit peu. Tout le monde va mourir, j'ai non, autour de ça. Oui, tout le monde va mourir, mais c'est ce qui va se passer, je vois que cette issue. Non, mais a priori, ils ont pas de plan, c'est ça qui m'embête. Elle nous aurait dit, ok, je veux pas négocier, mais j'ai un plan. Et là, il y a pas de plan. C'est, oui, je vais bah oui, avec bah oui. Mais c'est pour ça qu'il faut pas insister. Le Diego, on pourra pas le voir, de toute évidence. Non, mais Diego, moi je. Diego Santiago, voilà. Donc, on pourra pas le voir. Et je pense que c'est un plaisir. C'est fait un plaisir. À bientôt. Mais bon courage. Soyez. Et passez une bonne nuit. Et prudence quand même, un petit peu. Hein. Bon. A-t-on rencontré quelqu'un qui n'a pas tué quelqu'un? Voilà. La question est ouverte. Écoute, comment on va dans cette île de Maccabée là? On va y aller en voiture. Tu sais quoi, c'est une île, il nous faut un bateau. Allez, bien. Non, attends, je finis ma clope et j'aimerais dire au revoir à ma nièce. C'est peut-être la dernière fois que je la verrai. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être un adieu. J'adore te regarder fumer, écoute. Oui, je sais, Sterling. C'est pour ça que j'ai arrêté, d'ailleurs. Tu me faisais peur. Oui. Il y a ce petit air comme ça. Un petit air de Charles Aznavour. Tu vois, je pense que Charles Aznavour est le nom. Non, j'aurais plutôt dit McQueen. Tu vois. Charles McQueen. De Charles McQueen. Si Twitter est devenu n'importe quoi. On demande des taxis, C'est long ces appels tout de même, hein. Oui, mais je pense qu'elle... Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle allait négocier avec Diego, justement, pour qu'il soit copain de nouveau, pour faire la bagarre contre... Oh, c'est compliqué, cette histoire. Et les revendications, j'ai toujours pas compris ce que c'était, la révolution. Oui. Au fait, c'était... il te veut rien, tu risques rien, en fait, Starling. Oui, je m'en doutais. Dis donc, ma petite Effie, j'ai eu le temps d'en fumer 3. On va pas t'embêter plus que ça, on a l'impression que... Attends, bouge pas la fumée. J'ai tweeté, regarde, c'est moi qui ai écrit ça. Oui, là. C'est bien. on a l'impression que je suis dépassé par les événements. Oui. J'ai surtout l'impression que ta seule issue, malheureusement, ainsi que celle de notre ami Diego, c'est la mort, et ça me fait bien peur. Donc, j'ai bien l'impression que c'est ce que tu cherches, ma petite Effie. Hein. Non. On sait pas comment t'aider. Je veux changer d'identité.
Pardon ? T'as toujours des plans. T'as toujours des plans. Tu es toujours plus loin. Tu es m'organiser un rendez-vous. Dans ce cas-là, pourquoi t'essayerais pas de me trouver une carte d'identité et de négocier avec ça ? Donc tu veux changer d'identité ? Laisse-moi déjà doser la température, voir où ça en est. Je te tiens au courant, ok ? La température on la sent d'ici. Hein. On la sent d'ici, la température, elle est... La température, elle est bouillante, là, d'accord ? Et tu regardes, tu vois derrière moi tonton, les femmes. Tonton, fais quelque chose pour moi, s'il te plaît. Retourne au commissariat et dis-moi ce qui se passe. On va le faire, ça, on va le faire. Crois-moi, on va le faire de ce pas. Mais... Me laisse pas dans la merde, tonton, ok ? Oui, on te laissera pas dans la merde. Mais qu'est-ce que t'attends comme nouvelle ? Je veux savoir qui cherche et ce qu'ils vont faire. Ils vont te faire mal. D'accord, oui. Écoute, Sterling, va dans la voiture, s'il te plaît, je t'en rejoins. Je vais parler à ma petite nièce, c'est peut-être la dernière fois. J'arrive. Attends, je te fais la bise, ma petite fille. Oui, fais la bise à ma petite fille. Sois extrêmement. Sois extrêmement prudente et je compte sur toi pour être prudente. Promets-le-moi. Je te le promets. L'issue n'est pas bonne, de toute évidence. Excuse-moi, je rigole de cette situation, mais tu sais que quand je fume, ça me. Si tu veux vraiment m'aider de toi à moi, ah bah oui. De t'approcher d'eux et de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est quoi leur plan. Si ils veulent me baiser moi, s'ils veulent baiser Diego. Écoute, ce qu'ils vont faire à toi ou en général ? En général. D'accord. Ça peut me sauver la vie. Oui, bah oui, mais je veux te sauver la vie. Mais ça, on va y aller ce soir, d'accord ? C'est ce que tu veux ? Ouais. D'accord, on va y aller ce soir. Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? J'ai l'impression que tu n'as pas de plan finalement. Si tu veux vraiment changer d'identité ? J'ai deux plans, mais je dois savoir ce qui se trame en fait. Ok. La seule chose qui me bloque là, c'est de savoir ce qui se trame. Bon, écoute, je finis cette clope parce que de toute évidence, elle n'est pas prête de s'arrêter. Je file au commissariat. Écoute-moi bien. Effie, tu me promets de pas mourir ce soir ? Je te le promets. Allez, fais-moi un petit bisou et puis j'y vais. Allez, bonne nuit. Bisous. Mouah. T'es adorable. Allez, à plus tard. À plus tard. Bon, et c'est débarrassé de nous. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que t'as dit ? Écoute, on va au commissariat. Mets-moi le point. On va voir ce qui se passe. Oh, et on va essayer de l'aider. Mais de toute évidence, elle a aucun plan et je pense qu'elle est décidée à mourir. La mort. Mais n'est que le commencement. Non, je ne parle pas. Ah, si, là, tu as dit à bon. Bah, dis donc ! Oh là ! Oh là là, doucement, monsieur. Oh là, doucement. Oh là, ville gredin. Va voir ce qu'il veut. Mais c'est un délinquant. Il est totalement malade. Dis donc, on connaît la loi tout de même. Je sais, mais calme-toi. Ne t'emporte pas, Cooper. Ce n'est pas le moment pour Ils nous. Ils ont des problèmes dans cette ville. Oui, calme-toi, Cooper. Ça va aller. Oh là là là, il n'y a pas une place. Je m'étais dit, bon, entre nous, sérieusement, il y a combien de chances que ta nièce meure ? Aucune. Beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on tirait pas un petit peu un bénéfice, quitte à ce qu'elle meure, autant que ça nous rapporte un certain... Regarde-moi dans les yeux. Oui. Jamais je ne te ferai ça à toi. Oh, c'est pourquoi gentil. Je le ferai à ma nièce ? Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Voilà. Mais c'est vrai que 2 500 000... C'est 2 500 000, ça laisse réfléchir, hein. Tu comprends ma question, n'est-ce pas ? Moi, je l'aime pas trop, ce procureur. Oui, c'est vrai qu'il parle avec beaucoup d'arrogance. Oui, je vais... Laisse-le, moi, celui-là. Oui. Oh, t'es énervé. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Là, je veux tout les écouter, s'il vous plaît. On est là. Oui, on est là, monsieur. Qui êtes-vous ? Bonjour, je me présente. Gulliver Montmirail, huissier de justice. Le masque Covid, là, avec... Vous êtes un auxiliaire de justice. Huissier de justice. Oui, donc un auxiliaire de justice. Oui, exactement, oui. Très bien. Mais nous, de même. Aussi. Je ne sais pas, je l'ai vu qu'il est allé jusqu'à l'hôpital et je crois qu'il est revenu, je ne suis pas sûr. Donc il est là. donc il est là. Oui, sûrement. Et okay. que faites-vous là, sans indiscrétion ? Oui, mais écoutez, comme la ville est déclarée en code rouge, je viens demander une protection policière faisant partie du gouvernement. Ah, bon, on connaît la loi. On connaît la loi, monsieur, vous inquiétez pas. Oui, bonjour, est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Capitaine ! Nous sommes avocats au gros barreau ! Capitaine, Nous procureur. Sommes avocats au gros barreau ! S'il vous plaît, quelqu'un. Beaucoup de voitures et peu de... Restez à 4 à l'hôpital. Messieurs, oui. J'ai eu le procureur, il arrive. Ah, super, très super, bon. Super, merci beaucoup. Bah nous l'attendons dans la tente. Et allez, on va se rejoindre dans la tente. C'est derrière la tente. Bon, on l'attend ici, finalement. Ça fait 5 fois qu'on répète. Y'a ta nièce qui arrive. Ah bah, dis donc. Comment allez-vous, madame ? Salut, beau gosse. Vous avez besoin d'aide, peut-être ? Mais qu'est-ce que t'as ? T'es condé ? Non, madame, mais d'aide pour marcher, parce que toute évidence, vous avez peut-être du mal. Ouais, j'ai du mal, et alors ? De l'arthrite. Eh ben, je vous propose notre aide. Et de l'arthrose. Et puis des rhumatismes. Ben oui, j'ai la chiasse aussi. Oui, bah oui, bah ça c'est bien. Ça se sent, madame. Mais on avait. Vous voulez pas d'aide donc ? Sauf si vous êtes condé. Ok. Ah non, c'est moi, monsieur. Oui, sortez de la canette. Dites-moi, est-ce que vous connaissez un monsieur McCormack par hasard ? Ah non. Non, non, ça nous parle pas, monsieur. Non, ah, non, non, désolé, monsieur. Bah, McCormack, vous dites. Oui. McCormack, je connaissais un Mac... McLeskey, peut-être, non ? Non, McCormack. D'accord. Mac Gulagan ? Non, bah, c'est pas grave si vous connaissez pas. Non, je connais pas, je suis désolé, je dis des noms, je ne sais pas. Pas de problème, je vous remercie. Y'a pas de soucis. McGregor, peut-être. Ah, ça aurait été bien. McDonald's. C'est dommage. Mac 3 ? Oui, j'aurais pu continuer longtemps. Macintosh, c'est ça que je voulais dire. J'ai envie de m'en griller une.
s'asseoir à l'intérieur, mais l'intérieur, on entend tout ce qui se passe, ça m'ennuie. Oui, bah c'est pas très bien isolé, dis donc. Dans combien de temps arrive le procureur, monsieur, d'après vous? Très bien, le procureur devrait arriver d'ici 5 minutes, je pense. 5 minutes, très bien. Qu'est-ce qu'il me veut, la petite gonzette? On va dire donc, elle a une façon de parler bien impolie. Je pense que c'est une pute. Voilà. On devrait peut-être aller lui demander au lieu de... Je ne sais pas. Bah oui, bien sûr. Bonjour, madame. Alors, comme ça, vous êtes avocat? Oui, madame. Oui, monsieur, voilà. Madame? Monsieur? Non. Madame. Madame. Ça ne Mamie Kaira, vous pouvez m'appeler. Mamie Kaira, d'accord. Est-ce que je peux avoir vos numéros au cas où j'aurais des problèmes avec la justice? On n'a plus de téléphone, on les a perdus. J'ai toujours des problèmes avec la justice. Oui, mais c'est quoi vos problèmes, madame? Bah, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un braquage de banque. J'ai 1 million de dollars, faut que je les blanchisse. J'ai pas du tout quoi en faire et j'ai peur que les flics me tombent sur la gueule. D'accord, et donc vous venez apporter les 1 million? Bah non, mais vous êtes avocat, c'est bon, je vous donne 20 000, je vous donne 100 000 et puis vous me blanchissez le reste, comme tous les avocats du monde. En tout cas, c'est ce que faisait mon ancien avocat avant qu'il se fasse tuer. Excusez-moi, est-ce que vous êtes. Comment on dit? Sous influence. Non, est-ce que vous êtes sous influence, oui? Mais sous influence? Oui, êtes-vous sous influence, madame? J'ai buté le parrain de mon gang. Bien sûr, quand j'étais en prison, mais je viens de sortir de prison, je me suis évadé. C'est de bien belles histoires, dites donc, Sterling. Cette ville me surprendra toujours. Mais oui, mais... Mamie Kaira. Et sinon, est-ce qu'il existe des citoyens normaux? Est-ce que vous avez un emploi, madame? Alors, des citoyens normaux, je sais pas, des citoyens normaux, peut-être. Foute ta gueule, laisse foutre ta gueule. Oui, c'est vrai que c'est... Oui. Pas parce que je sors de prison que j'ai... Que vous ne savez pas vous communiquer. Exactement, bouffon. Oui, doucement, quand même. C'est pas bouffon, c'est Sterling, tout de même, s'il vous plaît. Non, c'était pour toi. C'est à moi que cette tape en parlait? Vous êtes oh, sûr, Sterling? Il me cherche le Troufion. Ah, excusez-moi, madame. Il me cherche le caporal chef, là. Troufion, j'ai entendu Troufion, je m'écarte un peu. Caporal, et parle au caporal, je ne sais pas de qui elle parle. Je préfère m'écarter aussi. On va laisser ce couple régler leur différend. Sterling, tout de même, on est un duo, Sterling et Cooper, enfin. Monsieur, vous savez dans combien de temps à peu près Non, c'est madame. Il est où le procureur? Oh, la laine qu'elle a là. Il faut reculer, madame. On est des professionnels. On connaît la loi, madame, mais reculez. Oui, madame, on connaît la loi et les brosses à dents. Coucou, belle gosse. Aider. Oui, y a rien qui dans cette ville. Dans cette ville, il est où? Ah, c'est mon fake taxi. Je suis. Voilà. Ouais. Bon, le procureur arrive dans combien de temps, monsieur? Bah écoutez, je vais le rappeler et je vais vous dire exactement dans combien de temps il arrive. Il faut le rappeler. Il a eu une urgence, c'est pour ça qu'il a été un peu retardé. Ah bah oui, bah il est là. Ah bah regardez, il est derrière. Ah bah. Monsieur? Excusez-moi, j'avais une absence mentale. Dites-moi. Nous sommes là. J'ai besoin de parler pour ressortir un vieux dossier. Voilà. J'ai besoin de parler, c'est très important. Ah, d'accord, à l'instant, suivez-moi s'il vous plaît. Merci beaucoup, Gulliver. Avec plaisir, monsieur. Merci, Gulliver. Si j'ai bien compris, vous êtes la plus haute instance de cette ville. Je ne suis pas président, je suis procureur. Il y a donc un président. Qui est ce président? Bonjour, monsieur. Attendez, cette chaise me porte. Attendez, parce que là, j'ai beaucoup de problèmes avec cette ville, en fait. Moi, je suis un peu. Est-ce que vous avez un président? Ouais, on a un président. Très bien. Est-ce qu'il est accessible ou faut passer par une lettre, un colissimo? Dites-moi ce que vous voulez d'abord. Moi, j'ai un très gros problème. Dans cette affaire, on a réuni tous les dossiers nécessaires, d'accord? Le commandant Soulax, monsieur Soulax étant décédé, il ne peut donc mort pas témoigner. Voilà, évidemment, meurtri même. Il ne peut donc pas témoigner de ce qui s'est passé. Et je pense que dans cette affaire, plusieurs personnes font fausse route, monsieur. Vous êtes en train de me dire que votre client ne coopérera pas? Non, je suis en train de vous dire que peut-être, et ça c'est une évidence à prendre en compte, très importante, peut-être que des gens ici même se sont moqués de ma cliente et l'ont amené. Procureur, pour t'es où? Sauver sa vie, à faire bureau, des bêtises suite à divers mensonges. On vous parle, monsieur. Écoutez mon collègue. Monsieur? Ouais, je vous écoute. Finissez. Ben, c'est fini. D'accord. C'est fini. Très bien. Je dois te parler avec Germain, là. Nous, c'est très urgent aussi. Oui, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Qu'est-ce qu'ils veulent, encore? Oh, bah, dis donc. On l'a entendu. Cooper, je sens que je vais m'énerver. Regarde ce que j'avais avec moi. Arrête tes conneries, Sterling. Putain de chaise, hein. Pour nettoyer, c'est tout dégueulasse, il y a des miettes partout, regarde les traces de café. Je sais Sterling. C'est dégueulasse, ça c'est des microbes, ça. Les fourmis, y a bien après. Regarde ce que j'ai trouvé sur le bureau. Mandat d'arrêt à l'encontre des filles Cooper. Terrorisme. Massacre, décapitation. Ah bah dis non, oui, sacré dossier. Bon, je vais reposer ça. Allez, assieds-toi Sterling, s'il te plaît. Sacré flou, la tenue bon, de filles. Bon, monsieur le procureur.
Et le téléphone, monsieur le commandant. Respect, s'il vous plaît. Oui, je n'ai pas vu, j'étais de dos. Il était de dos, du moins. Où est le président, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est accessible? Le président? Oui. C'est encore par rapport à l'histoire, là? Toujours. Elle l'accepte pas, elle veut pas? Non, rien à voir. Et dites-lui bien que c'est très important. Ah, il faut qu'il soit là déjà. Bon, elle a pas l'air de répondre là. Sonnez son numéro. Monsieur le procureur. Le procureur, il est très occupé là. Je suis très occupé, je suis désolé. C'est drastique. C'est 2875, c'est le numéro du président, d'accord? Vous très le prenez bien. Vous l'imprimez 2875, voilà. Viens, 50. Dépêche-toi. Bon, j'ai le numéro du président, mais il est malheureusement incontactable. J'ai envie de tenter quelque chose. Vous voulez toujours pas de mon million? Eh madame, comment ça le million là? Moi je veux bien. Ouais. Vous avez un million sur vous là? Bah non, pas sur moi, trou du cul. Dites-moi tout. Ouais, je vais te dire tout et après tu vas me dépouiller et après je vais devoir te mettre une balle dans la tête. Mais madame, monsieur, madame, bah peu importe, écoutez, on est avocat au gros barreau. Madame, mamie Kaira. Oui, on est avocat au gros barreau, c'est pas dans notre intérêt, voyons. Ouais, au gros barreau, alors ça c'est intéressant. Vous êtes des merdes, vous êtes des merdes. Bah allez, casse-toi de ma route, tu me fais de l'ombre, petite merde. Allez, va là-bas là, avec ton putain de dégradé au coupon là. On peut te voir ici, nous. Exactement, sale bourge. Mamie Daniel, calmez-vous. Pourquoi vous emportez, là? Non, parce que là, elle est chaude, là. Elle a pas eu son verre de whisky. Je peux te dire qu'elle va t'envoyer une patate, tu vas ronfler. Oui, mais vous parlez pas de mon associé comme ça. Hein. Son dégradé est très bien. Déjà, il a pas de dégradé, en fait. Oui, voilà, en plus, j'ai pas de dégradé. Il faut s'acheter des yeux, madame. Premièrement, la madame, là, elle est excitée. Ça veut dire qu'elle a pas son rail de codéine. Il va falloir que vous vous dégagiez avant qu'elle vous en foute une rousse, là. Elle va rien faire. Monsieur Tahiti Bob, vous êtes qui? Tu parles à qui, Gaston Lagaffe, là? Je comprends pas tout. Parle à toi, beau gosse, nique-lui sa mère. Tu commences à m'énerver, là, ton vieux truc. Allez, un contre un, octogone, c'est parti. Fais pas le malin, t'as des vieilles chaussures toutes plates, là, enfoiré de ce sable, on pourrait faire des drifts avec une Twingo. Qui parle cette. Je sais pas, il baragouine. C'est bien ce que je pensais, monsieur Zidane. C'est une barbe ou c'est un nid à poussière, ton bordel, là? Il parle de chauffe, c'est ça? Je sais pas. Il faut pas qu'il chauffe. Ouais, ne chauffe pas. Le corps humain étant à 28 degrés, il faut pas qu'il chauffe. La petite dame à droite là, si elle sort sa Ford Fiesta et qu'elle commence à drifter sur ton crâne, rien à faire. Tu vas pas du tout pouvoir défendre ton crâne. Je note qu'on s'en fout. Attends. T'as noté qu'on s'en foutait? On s'en fout. Selon l'article de loi, on s'en bat les couilles. Allez, à bientôt, monsieur. Très gênant, ce monsieur. Très gênant. Ouais, c'est des petites. Ah, il m'entend encore. Petite chienne de traîneau. Très gênant. Mamie. Tu penses que c'est sa mère? Quand il parlait, t'as pas entendu? Il faisait un truc comme ça, le monsieur là. C'est sa mère. En tout cas, ça a l'air d'être sa mère. On va les laisser entre maman et fiston. Il y a de l'inceste, non? Interdit par la loi. Oui. Ah, bah tiens, on devrait le dire d'ailleurs, non? Mais oui, vas-y. Je te laisse en parler. T'as l'air énervé. Là, je suis sur les nerfs. Tranquille, 2 minutes, faut que je roule un joint. Oui, voilà. Il est de mon devoir d'auxiliaire de justice de vous rappeler que l'inceste est interdit par la loi, monsieur. L'inceste? Non, il y a personne qui insiste ici. Oui, mais. Il a compris. Non, il a pas compris. Bon, et sinon, il est parti où, le procureur? Parce qu'il est commissaire ou procureur, celui-là? Oui, bon, bonjour. Allô. Monsieur le Président? Oui. Oh, super. Je me présente Sterling et Cooper de la société Sterling et Cooper, avocat au gros barreau. J'aimerais discuter de choses très importantes avec vous. Très bien. Je peux juste vous rappeler dans 2 petites minutes, ça vous dérange pas? Bien sûr, vous avez mon numéro. Merci, c'est très aimable. À très vite. Bon, appelle. Alors, tu me croiras jamais, mais je crois que le Président, il est du peuple. Donc, Oh là là. C'est un homme de peuple, il me rappelle accessible. Tout à l'heure. Accessible. Voilà, oh, très accessible. De la science. Moi, je voudrais parler au Président, actuellement. Et bah tu vas lui parler, je pense que tu ne seras pas déçu. Oui, attends Cooper, faut que je te parle d'un truc. Oui, ça fait beaucoup là, j'en ai marre des allers-retours. Oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est le métier qu'on a choisi, c'est la vie d'avocat. Dis-moi. Il faut qu'on trouve cette île, l'île de Galapagos. Oui. C'est là où il y aurait ce Diego. Oui. Donc pour ça, il nous faudrait un bateau. Nous n'irons pas sur cette île et c'est pas là où il y a Diego. D'accord, bah comme ça l'affaire est réglée. Non, voilà. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour, bonsoir. Est-ce que quelqu'un vous a autorisé à rentrer juste, messieurs, avant? Bien sûr, auxiliaire de justice. Auxiliaire de justice. Nous attendons monsieur le président. Le président? Le président lui-même. Pardon, je suis pas sûr qu'il est dans le coco, mais... Il me rappelle. Okay. C'est en rapport avec l'US Army, c'est ça? Vous voulez vous installer quelque part? Venez, dites voir. Est-ce qu'il y a un endroit où on n'entend pas des gens crier? Oui. Ou des gens faire du rap, dites voir. C'est moi. Il y a des gens qui font du rap? Oui, j'ai cru comprendre entendre du rap. En tout cas, un semblant de rap, d'ailleurs. C'est notre salle de repos. Faites-vous plaisir, là, faites ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a encore des petits morceaux de pizza là-dedans? Je suis pas sûr, ça fait longtemps qu'elle est là. À vos risques et périls. Tout le monde a cité. La fois, j'ai touché au Tupperware de vin. C'est un joli boutique que vous avez autour des... On doit y aller, monsieur. Je pense qu'en fait... Ok, tous sur le toit, on va à la base militaire. Go. Tous sur le toit. Allez, go.
Suivez. Ok, tous les pilotes d'Henri, s'il vous plaît, confirmez. Vous allez prendre un hélicoptère, tout le monde monte dedans. Triple zéro, il faut vite se sur le toit là. On part défendre notre pays. Et alors, Chocolat Cooper, pour 242 lames. Est-ce que vous êtes disponible? Je vous promets que je suis actuellement à la base militaire. J'ai énormément de choses à faire, malheureusement. Allez, on décolle, s'il vous plaît. D'accord. On attend tout le monde. Vous allez bien? Il reste encore combien de monde là? Tant que je respire, ça va. On peut vous rejoindre, monsieur, ou pas? Vous rejoindre à la base militaire, ça va être compliqué. Ok, on attend tout le monde, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Bon, je vous donne un rendez-vous vraiment dès que j'ai la possibilité. Je sauvegarde votre numéro, ok? D'accord. Le dernier hélico qui va décoller là, il faut suivre celui-là. On a l'habitude. Très bien. Bon, il est dans une base militaire, ça va peut-être pas très bien. Attends, deux secondes. Ah, mais la base militaire, c'est là où ils interviennent. Volé, voilà, c'est bon. Ils ont fortement. Non, mais on ne peut pas. Non, Sterling, tu t'égares, s'il te plaît. Reste concentré. Tu vas pas dans une base militaire parce que tu es avocat. Non, mais pas loin, on va pas dans la base. On sait même pas où elle est. Ouais, elle est pas là, l'autre pute. Qu'on s'occupe un petit peu. Qu'on s'occupe un petit peu, là. Bon, il me rappelle après l'intervention ou je ne sais quoi. Oui, bah, vu l'intervention, hein. Cap dedans. Oh là, ça te va bien. Mets un coup de klaxon. Voilà, oh, c'est pas mal. Oui, c'était bien ça. Et sors de là, man. Non, arrête avec. Si j'avais eu l'occasion d'être. Oui, bonjour. Oui, excusez-moi, il n'y a pas de policiers, il n'y a personne là. Alors, non, tu Ils sont tous partis en guerre. En guerre? Pour le pays des États-Unis. Mais quelle guerre? La guerre contre le terrorisme, monsieur. Mais moi, je viens d'arriver aujourd'hui en ville et vous me dites qu'on est en guerre, mais c'est pas possible. On est en guerre. Vous savez, dans cette ville, rien ne nous surprendra, monsieur. Et du coup, je m'adresse à qui, si je ne m'abuse? Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez rien vu du tout. Ah, d'accord, ça n'est pas difficile. Sterling Cooper, avocat au gros barreau, monsieur. Sterling Cooper et. Et Sterling et Cooper. Et Sterling avocat au gros barreau, monsieur. Ah, d'accord. Cooper et Sterling Cooper. Ok, ben, coupez bien le barreau et bonne soirée à vous, monsieur. Très bonne soirée. Mais on coupe pas de barreau, monsieur. Bah, vous m'avez dit, vous appelez Cooper au barreau. Non, on est avocat au gros barreau, monsieur. Avocat au gros barreau. Vous mangez des avocats, des gros barreaux? Dites-moi, vous Moi allez aussi, bien, j'ai monsieur. Un gros barreau le matin. Vous voilà, correspondez. Exactement. Votre profil correspond à cette ville. Oui. Vous pouvez circuler, vous avez le droit. Oui, vous pouvez continuer, tout est normal. Est-ce que si jamais vous aurez un numéro de téléphone, j'aurais besoin d'un avocat? On nous a pris notre téléphone. Encore une fois. Oui, encore une fois. Mais pour quelle raison? Sous quel motif, en fait? Parce que cette ville est totalement cette dingue. Cette ville est totalement aberrante. Putain, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est fou. Et puis de toute façon, là je vais pas vous mentir, monsieur. On est au niveau dossier, on est surchargé. Vous avez de quoi noter? Bien sûr, bah j'ai mon téléphone, moi personnellement. Personne ne l'a pris. Il y a des gens normaux dans cette ville. Non. C'est une question, Cooper. C'est une question. Non. Je veux dire, nous n'avons rencontré. Personne. Ne bouge pas. Ben là, je bouge pas. Je vais poser à ma fille. Oui. Oui, Effi, ça va? Oui, ça va. J'ai une petite question, vite fait. Il y a des gens normaux dans cette ville? Non. D'accord. Ok, elle veut tout faire péter. Eh ben, passe une bonne soirée alors. Explique-moi pourquoi il y a quoi? Dis-lui que je commence à comprendre le Mais projet. Parce qu'on commence à comprendre pourquoi tu changes en deux semaines et que tu vas faire exploser et anéantir ce continent. Cooper, dans deux semaines, on se balade en stream dans la vie. Oui, bah, il faut s'adapter. Attends, adapte-toi pas trop. Ne meurs pas quand même, d'accord? Non, t'inquiète pas. Là, je suis avec le père du bébé. Pardon? Et qui est-ce alors? Tu l'as retrouvé? Oui, il s'appelle Vertugo. Mais c'est pas l'homme que tu m'as dit qui était dangereux? Non, c'est pas lui. Vertugo, c'est pas celui qui habite sur une île? Non, c'est Diego, lui. Oh là là, mais quelle histoire. Ah, Vertugo, c'est celui que t'as rencontré et qui t'a mal parlé la première fois que t'es venu au commissariat. Ah, c'est le père? Oui. D'accord, et t'avais pas trouvé quelqu'un d'autre, non? Bah, en fait, faut que je t'explique ton tour. En fait, il y a deux pères. Oula! Attends, c'est... Alors, c'est le double gouvernail, donc attends, je note notre double gouvernail, Sterling. Non, ça, tu en parles double à personne, je note. Vraiment, t'es ah, le seul au courant. Ne note pas. J'attends l'animation. T'es le seul au courant, genre, vraiment, parle à personne. Même à papa, tu dis rien. Oui. Ah bah oui, bah il est mort. Quoi? Allô? Bah non, il est pas mort. Non, il est pas mort. Ah bon, bah voilà, c'est une histoire de jour. Bon, vas-y, continue. Faut que je te présente quelqu'un. Mm-hmm, d'accord. Il s'appelle Mads et... Bon, je te... C'est très bizarre, c'est très... On continue? C'est compliqué. Disons juste qu'entre-temps, j'ai eu deux relations. Une qui était non voulue et une qui l'était. Et disons qu'on était complètement défoncés, lui et moi, et on a couché ensemble sans le vouloir, tu vois. Et pourquoi dois-je voir cet homme? Parce que c'est le vrai père du bébé. Aïe. D'accord, et tu veux me le présenter quand? Et disons que je fais croire à tout le monde que le père, aïe, c'est quelqu'un d'autre. D'accord, et tu veux me le présenter quand? Aïe, aïe, aïe. Je veux voir maintenant ou demain? Maintenant. Au point où on en est maintenant. Je suis prêt à tout voir. Il n'y aura pas de problème. Ok. Yallo? Allô, oui, tu t'es trompé de touche. Non, monte sur Sandy Short, tonton. Monsieur, vous pouvez partir, monsieur, s'il vous plaît? Je suis avec ma nièce.
Ah, avec votre nièce? Oui, okay. Elle est capable de vous mettre une bombe dans le cul sans que vous le remarquiez, vous faites 3 tours sur votre-même et vous explosez, monsieur. Ok, à qui ai-je l'honneur de votre nièce? Comment s'appelle-t-elle? Déclinez votre identité. Non, je préfère pas vous dire son nom. Lâchez-moi, ok, monsieur. Force à elle, cette dame. Dis-moi tout, Effie. Non, mais cet homme commençait... Ils sont tous bizarres, vraiment, donc je commence à être tiraillé. Dites-moi tout. Elle monte sur Sandy, Charles. Ok, ok, bon, on arrive. Justice américaine, alors, depuis le début. Mais je suis américain, monsieur. Ah, ceci explique cela. Oui, voilà. Est-ce que c'est une conversation importante entre vous deux? Non, pas du tout. Non, pas du tout, non. Bon, on peut y aller, alors. Oui, écoutez, monsieur le huissier, faites attention à vous. Je serai vous, je rentrerai. J'ai vu quelqu'un vous suivre. Oui, il y a des gens très mal famés qui traînent aux alentours. Restez à l'abri, monsieur. Oui, j'ai pu remarquer l'individu qui était avec voilà. Vous. Individu et très vous... suspect. Il est venu me dire que il allait acheter un couteau et qu'il allait revenir vous le planter, paraît-il. Je ne sais pas pourquoi. Ah, allez, bonne soirée, monsieur. Donc, je vais aller me cacher d'ici tout de suite. Hein. Oui, faites attention à vous, monsieur. Je vais me cacher. Bonne soirée. On a perdu notre auto. Non, c'est gardé. C'est vrai, elle est là-bas. Oui. Alors, donne-moi des nouvelles. Mais Sandy Shore. Je sais pas, c'est le seul truc qu'elle m'a dit. J'aurais peut-être la rappeler, non? Bah quoi, on va la voir là. Ah, tu connais, incroyable, oui. Ah oui, Sandy Shore, je sais où c'est, où c'est. Par contre, je vais te demander d'être un petit peu plus, si tu vois ce que je veux dire, sérieux. Bah, c'est à moi que tu dis ça. Non, c'est... voilà. Parce que là, crois-moi, en termes de sériosité, je suis extrêmement chaleureux. Et un peu plus, on est bon. Crois-moi, je suis bien. Tu roules très vite. Je roule très vite. Ta conduite a changé. Il n'y a pas de radar. Oui, mais voilà, ne deviens pas terroriste, s'il te plaît. Mon cher Sterling, nous sommes qu'à 160. C'est là. Bah oui, mais attends, il faut doubler à 150 au moins. Sinon, comment veux-tu? On va à la même vitesse que ce camion. 145, ça suffit. Allez, parce que c'est toi, je peux réduire. Voilà, tu vois. C'est très dur à maintenir. Je t'ai déjà dit que les voitures américaines, c'était un très mauvais moteur. Oui, mais moi, ça me rassure pas. Je crois qu'elle était allemande. Celle-là est américaine. Du côté de sa mère. D'accord. Elle a peut-être le pot d'échappement allemand. Oui, j'ai changé la ligne. Tu penses qu'on peut finir terroriste? C'est la question que je me pose. Parce que j'ai peur. Non, on ne finira ni terroriste. Y a-t-il un virus? C'est ça que je me pose. Non, on ne finira ni terroriste, ni mort. Enfin, je crois. Bah, écoute, on verra après discussion avec le président. Il m'a dit, je ne t'oublie pas. J'ai cru entendre un moment, allez frère, mais je ne suis pas sûr. Président, très... Peut-être que je vais découvrir un autre frère en venant. Hein. On n'est pas... Oui, voilà, il y a des surprises. Dis donc, quel est cet endroit pitoyable? Oh bah, ne juge pas. Oui, bah oui, excuse-moi. Tu peux descendre. T'es sûr que c'est là? Oui. D'accord, bah, allons faire un tour, Cooper. Allons nous interroger. Vous êtes qui, donc? Bonjour. Nous sommes Sterling et Cooper, avocat au gros barreau. Qui prend l'enculé, là? Nous sommes Sterling et Cooper, avocat au gros barreau, monsieur. Non, avocat au gros barreau. Avocat, vous avez un rapport avec Effie? Oui, bah c'est ma nièce. Ah merde, putain, désolé. Non, y'a pas de mal, y'a pas de mal. On commence à avoir l'habitude dans cette ville. On commence à avoir l'habitude. Qui est cette personne? C'est ma régulière. Magnifique. Notre aiguille. Si vous voulez mon avis, je pense que je vais tenter ma chance. On ne sait pas qui est. En tout cas, elle a la voix qui ressemble tout de même à Manu. Oui, elle ressemble un peu. Attendez, je vais faire pipi. Très bien. Ah, t'es dégueulasse. Je vais regarder. Sterling, D'accord. Tu déconnes. Toi, tu déconnes. Sterling, je pense que tu vas trouver de bons amis dans cette ville, par contre, oui, tu vois. Oui. Comment ça va, vous, monsieur, alors? Ça roule et toi? Mais dis pas vous, hein, on n'est pas plus zéro dans ma tête. Hein. Oui, c'est pas faux. Vous savez, c'est une formule de politesse. Hein, le vouvoiement. J'aime respecter mon interlocuteur. Vous voulez mon avis, monsieur? Ah ouais? T'aimes respecter ton interlocuteur? Mon interrupteur. Pardon? Tu peux utiliser des termes normaux. Regardez ton porte-document. Non, mais toi, t'es du sud, toi. Oh, j'ai oublié. Oh. C'est une valise, c'est pas un porte-document, d'accord? Soyez clair. Non, c'est un porte-document, monsieur. Non, c'est une valise. Non, c'est un porte-document, monsieur. Non, c'est une valise. Écoutez, on est avocat, on connaît les droits, c'est un porte-document, monsieur. Docu, je sais pas quoi, ça me regarde pas, non, je te dans dis. Dans une valise, écoutez, monsieur. Dans quoi, une tu valise. Tu veux te bastonner avec moi? Pardon? Tu veux te bastonner avec moi? Plaît-il? Voilà. Oui, quoi, règle. Je sais pas qui je suis à Sandy Shore. C'est vrai, Cooper. Exprimez-vous. Effectivement, je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est un porte-document, monsieur. Écoutez, Cooper est un bon boxeur. Écoutez, monsieur, dans une valise, vous mettez des slips, des chaussettes, des pulls, et là, comme vous pouvez le voir, dans ma valise, il y a des documents. C'est donc un porte-document, monsieur. Valise est un peu plus grande. Non, je crois que vous savez pas qui à vous que vous adressez là. Ah bon? Vous croyez que vous êtes qui, vous? Bah, avocat ou gros barreau. Avocat ou gros barreau. Là, on est sur Sandy Shore, d'accord? Sandy Shore, c'est chez moi, c'est ma maison. Moi, c'est Mads. Sur Sandy Shore, tout le monde me connaît. Je cive, je fais juste l'appel de guerre. Donc, utilisez des termes corrects, parce que ça va juste m'énerver. Ça va de soi, monsieur. Vous allez bouffer. Non, mais on ne cherche pas à... Je vois que le mot porte-document vous porte préjudice, apparemment. Je ne sais pas pourquoi. Non, porte, je sais ce que ça veut dire. Document, ça, c'est des mots. C'est des mots, je n'aime pas les entendre, tu vois? Oui, mais j'entends bien, monsieur, mais c'est le nom de ce que j'ai dans les mains. Non, non. On n'a pas choisi des feuilles. Monsieur, on n'a pas choisi le nom
élément commun qui sert à déterminer l'attaché-caisse. Attaché-caisse, peut-être, ça passe mieux. Attaché-caisse, monsieur. On valide. Oui, on valide. Allez, c'est validé. Mais tu déconnes, mais arrêtez de me prendre pour des cons. Je suis pas con, hein. Ah non, mais c'est un porte-document que nous avons dans les mains. Si, putain, t'es vraiment complètement con. Mais il me parle de docu, je sais pas quoi, là. Ils sont crus dans un film de cul ou quoi. Non, mais... C'est qui ce que tu m'as ramené, là? C'est mon tonton, je te présente mon tonton. Bonjour. Ouais, salut. Je suis le tonton au porte-document, sur votre droite. Ouais, enchanté, Mads. C'est moi, c'est Marty Cooper. Non, mais Sterling, du coup. Oui, c'est Sterling. Bon, est-ce que je peux te parler? Calme-toi, Mads. Il a commencé à aboyer. Il me parle de documents, il me parle de tout ça, mais. Eh, on a Sandy Shore ici, on s'en bat les couilles des papiers. Voilà, qui ne saute pas n'est pas américain. Ah bah attention, voilà, il est américain. Il le dit. Et il l'Amérique, tu dis pas. Il le montre sur l'Amérique. T'as dit quoi sur l'Amérique? Tu dis quoi sur l'Amérique, Sterling? Je suis américain. Il n'y a pas plus patriote que moi. Mais alors saute, dit américain, dis donc. C'est vrai. Mais oui, mais il faut sauter. Eh, Mad, t'as intérêt à être gentil avec mon tonton. Ouais, mais ton tonton, il parle mal. Ton tonton, il parle mal. Non, c'est moi le tonton. C'est moi le quart. C'est mon quart de tonton. Voilà, lui, c'est le reste. Je déconne. Bon, Effie, est-ce qu'on peut parler de Oui, on peut parler, bah, on parle. Un petit peu plus loin.